Salut à tous, c'est Indédé, on se retrouve pour un autre épisode sur City Game Studio. Donc je crois que c'est le quatrième si je me trompe pas, ou cinquième, je crois que c'est quatrième hein, si je me trompe pas. Alors, on avait, pour le petit rappel, on avait du coup lancé un MMO, sans forcément grande attente. Et finalement, on nous rapportait déjà pas mal de pognon, donc on est déjà à 20 millions, alors que l'autre hein, a fait seulement 59 millions en je sais pas combien d'années, donc on va l'arrêter. On l'annule. Tac, au moins c'est fini. Screaming Bango, on va l'annuler aussi. Alors me demandez pas pourquoi, parce que ça m'énerve, voilà, je l'annule, c'est fait. Toi, on t'annule aussi, on annule tout. Et comme ça, on n'a plus qu'à surveiller notre MMO. Donc là, fait intéressant, c'est que je pense qu'il voilà, il se vend énormément. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est les charges, ouais, ok. Où est-ce qu'on peut voir part de marché? Donc la meilleure vente en jeu vidéo, c'est Heal. Ce qui est normal, hein, puisque bah, c'est le nôtre. Donc on est pour l'instant le seul à l'avoir mis sur notre magasin dématérialisé. Donc ça nous a rapporté 20 000, donc c'est quand même pas mal. C'est que c'est rien du tout, hein, on va pas se mentir, mais bon voilà. Il va falloir qu'on aille dans le building et qu'on rajoute d'autres serveurs, parce qu'on peut voir qu'on est vraiment limite limite, donc je vais rajouter d'autres serveurs. Alors on va aller ici. Non, on va aller là plutôt. Tac, je vais rajouter quelques serveurs, meubler automatiquement, acheter des serveurs. Je vais en acheter peut-être une pour augmenter de 1 million. Reste là. Seuls les studios vides peuvent être... Ah oui d'accord, c'est parce que c'est bloqué. D'accord, ok, autant pour moi. On va acheter... Ouais, ceux-là ont l'air d'être quand même beaucoup mieux. On va les acheter direct. On va le mettre ici. Puis un autre là. Puis encore un autre là. Là, là, là. J'en veux plein des serveurs. J'en veux plein, plein, plein partout. Faites-moi des serveurs à gogo. Tac, 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 tac. On est bon. Ça nous en fait combien du coup là on passe à 3 millions 40 oui, 3 millions et demi de joueurs, enfin du moins de personnes connectées en même temps sur votre serveur. Donc je pense qu'on va être bien. Par contre, je sais pas, j'ai pas surveillé à combien ça pouvait me coûter par mois. Donc il est SVP au train de se vendre. On va s'occuper du coup de faire le portage. Hein. Donc Itatoc, tu vas faire un portage sur la V-Box direct. Voilà. Faire le portage rapidement. Donc Itatoc, hein, ils sont quand même pas mal. Hein. On va pas se mentir, ils sont quand même bons maintenant. C'est comme eux qu'on fait le meilleur MMO. Alors que pourtant, hein, franchement, j'y croyais pas du tout. J'aurais pas mis un copec sur eux. Sans méchanceté. Hein. Enfin, un peu quand même, mais voilà, on s'est compris quoi. Alors 2 millions et demi. 2 millions. Enfin ouais, 747, hop, on augmente la publicité. Et là on est bon, on a 6 millions hein, et demi. Enfin 7 millions maintenant. Enfin 700 millions, pardon, qu'est-ce que je dis? 700 millions, donc c'est énorme. Alors jeu de l'année, je pense que notre jeu a moyen d'être élu jeu de l'année. Hein. Alors port de jeu, Itatoc, tu vas continuer à faire un port de jeu sur cette plateforme-là. Donc tu appliques, on est parti, tac, on va pouvoir vendre encore plus. Notre magasin dématérialisé, là, il prend quand même, si de rien, il prend quand même cher. Hein. On va aller ici. Et là on peut voir, hein, c'est la capacité des joueurs, ça c'est la surcharge. Et nombre de jeux publiés. Ouh, il y a beaucoup de jeux publiés je crois là. Ah, un seul. D'accord. Un seul jeu. Ok, d'accord. J'avais pas... Bon, très bien. Je me suis emballé, d'accord. Mais bon, c'est pas une raison non plus. Hein, bon, quand même. Et ouais. Et combien ça nous a rapporté du coup? Faut que je regarde. Alors, multiplateforme, ce train se développer tranquillou. Il SVP, on va faire de la pub pour il SVP. Encore une autre pub. Tac. Et il faut encore qu'on aille améliorer ça, donc j'allais dans QG, dans le building, je vais même racheter d'autres serveurs parce que là, vu ce qu'on gagne, on peut se permettre, alors autant se faire plaisir. Tac, tac, tac. Alors non, j'ai oublié d'appuyer sur Shift en même temps. Tac, 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 voilà. Serveur, 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 j'en veux partout. Je sais que c'est pas très beau, il y en a plein que ça va déplaire, mais je veux des serveurs à gogo, à foison même. Par contre, je m'emballe peut-être un petit peu. On est à 7 millions de joueurs maintenant, mais combien ça me coûtait par mois, c'est la question que je me pose. Ah vas-y, fais hein, tous les portages que tu peux faire, tu les fais, tu cherches pas, tu te fais plaisir, t'es mon gars sûr. Port de jeu, sur la dernière plateforme, et puis voilà. On va retourner chez Itatoc. Alors faites ce que vous avez à faire. Donc là on est en train de vraiment développer à fond hein, notre Steam in-game. Vraiment que ça carbure. Alors résultat financier, juste quand même savoir, hypothèque, non on va rien hypothéquer du tout, t'es un grand malade. Ça c'est le score de... Ouais, en général nos jeux sont à 73 sur 100 en moyenne. Résultat financier, combien ça nous coûte coût fixe? Serveur, 900, donc quasiment 1 million par mois en serveur, donc on a intérêt à faire très très attention sur le mois de novembre. Ouais, et encore, non même pas, ça a augmenté de ouf maintenant, octobre, on est au mois d'octobre. En serveur, on a 3 millions par mois, ok, donc à voir si ça coûte, si ça nous rapporte moins. On gagne encore 10 millions par mois, donc ça devrait aller logiquement pour le moment. Donc je vais vraiment supporter toutes les plateformes et là je pense que mon serveur, enfin mon magasin dématérialisé va être utilisé à fond.
Ah, on a deux jeux, ça y est, c'est quoi? Il y a Unforgettable Banana. Oh super, il y a un développeur qui est passé par notre boutique pour le vendre son jeu, c'est magnifique. Ah, je suis content. Alors, on va faire un port de jeu, encore une fois, ISVP, bah, pour la PlayStation 3, donc tu vas la faire, vas-y, go, fonce. Ouais, la Wii déjà en attendant. Allez les gars, battez-vous, faites votre mieux sur votre serveur. Bon, on gagne beaucoup d'oseille. Oh là 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 là, le bordel quoi. Voilà ce qu'on gagne, voilà ce qu'on palpe. Notre MMO est vraiment une tuerie quoi. Je suis vraiment content qu'on ait pu s'en sortir aussi bien, ça m'étonne. Bientôt 200 millions de bénéf, oh super. Alors le QG, on va mettre sur pause. Vous avez développé maintenant, eux ils vont vraiment servir qu'à s'occuper du... vraiment qu'à s'occuper du... de ça. Nombre de joueurs, liste des plateformes, on va mettre tout. Voilà. Juste la Linux, on va dégager. Alors non, je vais dégager ça. La Linux, on va dégager. Je pense pas que... Part de marché, non. La Skylight 2000, on est en 2007. Ouais, on va prendre. La Vista, pourquoi pas. Bah, on va mettre tout, mettre. Alors, on met tout. Nombre de plateformes 4, comme ça, on va vraiment pouvoir s'étaler sur toute la part de marché. Oh, on va faire des soldes. Permet de créer des soldes pour un jeu vidéo. Bah exactement, comme ça, on va pouvoir solder notre jeu à nous. Tac, allez. Vous avez développé ça, les gars. Alors par contre un truc qui m'étonne c'est qu'ISVP est là. Avec King of Dating, je vais d'abord attendre, voir s'ils décident pas de passer par notre boutique pour vendre. Sinon je vais craquer leur jeu comme ça, ils vont plus rien vendre, ça va être bien fait pour eux. Port de jeu, tu confirmes, hop, on y va les gars. Vous n'arrêtez pas, hein, ISVP c'est le jeu de l'année. Attention. Allez les gars, battez-vous, faites du mieux que possible. Allez les gars, on est bon. On est bon, et du coup ça donne quoi? Il n'y en a qu'un seul, hein. Bah attends, comment peut y avoir trois... Attends, il y a un problème, il y a combien de jeux là en même temps? Il n'y a que deux jeux vendus, il y a trois consoles différentes. Ah bah ils ont dû faire un portage. Oui d'accord, ils ont dû faire un portage, ok, je comprends mieux. Comme nous, on est en train d'en faire un d'ailleurs. Tac, ça c'est fait. Ensuite, on fait un nouveau portage, hein. On va vraiment blinder à fond. C'est notre MMO, le meilleur qu'on ait sorti, donc je veux vraiment qu'il touche le maximum de monde. 223 millions, on est plus que bon là. Ça fait plaisir de voir que ça marche comme ça, je suis vraiment content quoi. 238 millions, on est bon, on a 820 millions, donc on est plus que large. Il faudrait aussi qu'on commence à racheter la concurrence, hein. Ouais. Ah, ça vaut quand même... un billion, on va l'avoir, hein, le billion. Le billion, pardon, on va bientôt l'avoir. Donc c'est pas un problème, on va leur dire de se reposer. Alors, tout le monde va se reposer. Tranquille, toute la compagnie, moi je suis quand même sympa, je donne des vacances à tout le monde en même temps. Là, en plein mois de juillet, donc ils vont être contents. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme jeu? Est-ce qu'on peut encore le porter? On peut pas le porter plus. Ok, bon c'est déjà pas mal en même temps. J'en ferai bien un jeu en ligne pour le mettre directement sur ma plateforme. J'en ferai bien un jeu en ligne qu'on va mettre sur ma plateforme. Un jeu en ligne d'aventure pour les jeunes. Oh, tout public c'était parfait. Donc c'était cool. Sur alors multiplateforme en ligne, sur la Xbox. Je pense que ça peut être bien, alors, part de marché. Ouais non, ça va être chiant. Sur la... Il y a quand même trop de jeux pour elle. Peut-être sur la GameStation 2, ouais, on va dire GameStation 2. On va appliquer, je pense que ça peut marcher. On va mettre un producteur. On va mettre un mec pour réduire les taxes et quelqu'un pour gérer le budget. Donc, tu vas faire un gros jeu, on va mettre un administrateur réseau aussi. Ah, il peut pas supporter le mode en ligne, j'avais oublié ça. Ah ouais, donc faut forcément que ce soit en ligne. Donc, multijoueur en ligne. Bah, la Xbox du coup. La Xbox. Ouais, la Xbox du coup. Parce que là, oh, quoi, que 400K. Ouais, mais non, il n'y a pas de part de marché du coup. Montre-moi. Ouais, non, la Xbox, je trouve que c'est mieux. Ah, quoi, que 5% de part de marché. Ouais, 5,26, ouais, peut-être là-dessus, ouais, vas-y go, on applique. On part, on va tenter de refaire, ah oui, alors le thème, j'ai oublié de sélectionner le thème. C'est un jeu d'aventure de pirates, c'est bien. Ou devant, ouais, de pirates, voilà, ça va plaire à tout le monde, les jeux d'aventure de pirates. Ok, on est parti les gars, on fonce. Bon, notre MMO nous rapporte quand même pas mal. Oh, il était dans le top, j'ai oublié de vous montrer, on était dans le top des jeux aimés, c'était cool. Il n'y a que deux jeux publiés en même temps. On est en train de développer les ventes, hein, avec les soldes. On gagne 11 millions par 11 millions grâce aux 305 millions à notre MMO. C'est pas fini en plus. Hein. Donc je suis vraiment content. Là on s'en sort vraiment bien, hein, franchement. Ça vaut le coup. On va bientôt atteindre le billion. Je pourrais racheter un de mes concurrents, mais pour le moment c'est pas la peine. Toi on va te craquer. Comme ça tu vas pas... Ça t'évitera de me prendre ma place. Alors, 10. 0, 1, 10, 101 et 3, 0. C'est fait. Ensuite, ouais, donc là, pour ceux qui se posent la question de ce que je fais, il faut juste que j'arrive à trouver, vous voyez, les bons numéros. Là, il me faudrait 100 et 100. Mais j'ai pas 100 et 100, donc on va mettre 10. 0, 1,
Et puis 0-0. Et comme ça, le jeu est craqué, vous voyez, tac. Et là, le mec redescend dans le classement. Donc là, ses ventes vont s'effondrer. Et nous, les nôtres vont s'envoler. Alors par contre, ça vient, ça part. Il va me falloir d'autres serveurs, là. Hein. Je me dis que finalement, il va vraiment falloir d'autres serveurs. Ouh, là, on est quasiment au bout. Alors ça vient, ça part, c'est le problème. On va changer de toute la compagnie, ouais. On va changer les PC pour qu'ils soient plus performants. Et les VP se vendent vraiment bien, en tout cas, je suis content. Alors fais-moi voir, toi. Il n'y a encore que deux jeux en vente. Hein. Ah, il n'y en a plus qu'un maintenant. Ah non, deux. Il est plus dans les meilleures ventes en jeu vidéo. Ah, les nazes. Gros naze, bah, espèce de ragard. Ok, nous on fonce. Alors les modes, par contre, à chaque fois, je sais jamais, on va en mettre... Jeu d'aventure, on va en mettre... ouais, comme ça, ce sera pas mal. On va dire que c'est pas mal déjà, comme ça. Il est VP toujours dans le top des ventes. C'est cool. Les soldes vont bientôt arriver sur notre plateforme. Ce qui devrait être pas mal, alors lui on va le mettre directement. On va tout effacer. Et toi on va te dégager, tac. Alors le QG est en train de finir de développer ça. Super, les soldes c'est fini. Ensuite on va alors, comment je peux faire pour solder mon jeu du coup? Ouh alors, la Skylight 2000 prend du, ouais, du bon temps. Je sais pas comment faire par contre pour... je pense que c'est un truc... on va diminuer à fond genre. Je vais prendre que 2%, allez 4%, 5% de ce qu'ils vont vendre. Des revues. Ouais, faites des revues, ça va augmenter le vente bonus et l'engouement. Donc carrément. On est en train de vraiment développer à fond notre Steam in-game. Ok, bon, vous avez débloqué ça assez rapidement, je suppose. Hein. Puisqu'on est qu'à 4000, vous avez fait un magasin qui est à 40 000 en points, donc ça devrait aller. Alors on est parti. Qu'est-ce que ça donne? Fais-moi voir toi. Ok, là, faut vite que je balance la pub. Maintenant. Notre futur MMO peut-être. On va voir s'il est bon ou pas celui-ci. Je ne sais pas. Je pourrais pas y répondre. On va voir si c'est bon. Donc le QG va finir de développer les revues. Donc les revues, vous savez, c'est comme sous Steam quand vous mettez quand vous voyez un jeu, vous mettez un commentaire en disant ouais c'est super ou c'est au contraire super nul. Donc c'est vous qui voyez. Hop, magasin matériel. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir développer? La télémétrie. Ouh, on peut générer plus 35% de vente bonus avec ça. Ouais, pas forcément anti-bot. Ah, pour diminuer la charge des serveurs, on va le faire direct. On va le faire même plus que direct même, parce que ça, je vais pas trop me ruiner non plus en serveur. Donc ils vont faire ça tranquillou. Itatok va continuer à développer notre jeu, hein, notre future bombe en MMO. On va appeler ça comme ça. Je vais leur dire de se reposer, toute la compagnie, comme ça ils vont se poser un peu. La hype va monter pendant qu'ils sont en vacances, et comme ça quand ils vont reprendre, ils seront de bonne humeur. Et ça nous fera gagner un peu de temps sur la hype. C'est une petite astuce que je vous donne là. Essayez de tricher en... Vous voyez là par exemple je vais faire que de bloquer. Pour pas qu'ils avancent sur le jeu et pour que la hype continue de monter en attendant. Tu vois. C'est une petite astuce de triche que je vous donne. Ça monte tout doucement du coup. Ah les serveurs sont surchargés. Ouais je sais. Je m'en occupe des serveurs. Pourquoi? Pourquoi d'ailleurs? Il y a eu deux jeux publiés. Ah il y a un nouveau jeu, Real Werewolf. Donc il y a un autre studio qui est passé par là. On va augmenter un peu les revenus de 10%, hein, c'est pas mal. Ouais, donc on va faire, j'ai acheté d'autres serveurs, donc. On va même les mettre à jour. Ah, on les a mis à jour parce qu'il y a des nouveaux serveurs mieux. Et du coup, là, ça nous a permis de pas... ouais, on va pas forcément besoin d'en racheter. Je vais quand même en racheter à fond pour me faire plaisir. Tac, 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 tac. Voilà, on est plus que bon. Je sais que je pars de la place, mais... Je vais en mettre un là, j'imagine. Là, un là. Voilà, parfait. Un autre là, un autre là. Puis voilà, je pense que là, ça va être bon. Hein. Je mets beaucoup de serveurs en vrac. Par contre, ça augmente vraiment mes coûts d'exploitation. Donc ça, méfiance. Une fois, j'ai perdu. J'ai voulu meubler tout mon studio. Et puis finalement, j'avais genre, je sais pas combien de millions. Ça me coûtait à entretenir. J'étais foutu. Ça m'a mis trop cher. Ok, donc QG, on va aller dans Itatok. Petit joueur en ligne. Donc ça, c'est pas mal. Hop, tu le publies. Ouh, pas mal, Jamaican Flatulence, il s'appelle. Ouais, donc c'est encore un bon jeu qu'ils ont développé. Alors, allez, les gars, faites-vous plaisir. Alors, on gagne encore un peu d'argent. On gagne encore de l'argent. Jamaican Flatulence, on va le... Alors, portage de jeu. On va mettre son magasin dématérialisé aussi. Et on va le développer sous... voilà, l'Xbox. Au moins, ce sera réglé. Tac. Et comme ça, je veux aussi qu'on le porte sur mon magasin à moi. Comme ça on va y être, ça va nous faire 3 jeux du coup, c'est ça? Ouais, donc une fois qu'il sera porté, ça va faire 3 jeux sur le magasin dématérialisé, ça devrait aider pas mal. Jamaican Flatulence a pris la place de Il SVP quand même, ça c'est pas cool.
Pourtant les moins bien, mais les plus récents, donc c'est peut-être ça qui joue. Alors hop là, on est bon. Refaites-moi un portage. Le mec a une flatulence. C'est quoi ce nom à la con en plus? Ok, ça donne quoi du coup? Fais-moi voir. Ah oui, donc sur chaque console, je peux développer et une version pour le physique et une autre version pour... Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, ok, c'est pas mal. Ok, j'avais pas compris ça comme ça au début. On dégage. Oui, alors je vais... Hop. Notre jeu là, notre... il galère. Il galère fortement. Il est SVP. Pourquoi il est pas dans le top des ventes, l'autre jeu? J'en ai que deux pour le moment. Ah, il a pas de la tête pas du... Alors. Port de jeu. Jamaican Fatuant. Je veux que tu réussisses son magasin dématérialisé. Ah oui, 40$. Ben non, c'est beaucoup trop cher, j'avais oublié. Il va pas se vendre forcément. Ouais, tu vas le vendre à 20$. Je veux taille aussi sur la GameStation 3. On applique. Et hop là, c'est terminé. Ah oui, d'accord, j'ai pas encore... En fait, j'ai pas porté... Ok, j'ai rien dit. J'ai fait encore une erreur. J'ai pas porté. Il faut que je clique juste sur magasin dématérialisé. Ça devrait aller. Alors, qu'est-ce que ça donne là? C'est quoi? Les serveurs atteint leur limite. Les gens ont dû fixer. Ça se voit. La plupart de serveurs sont utilisés à plus de 90%. Plus de serveurs encore. Attends, je fais que ça dans mes plus. Building. D'accord, eux fonctionnaient pas du coup parce qu'ils s'étaient collés, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. On va mettre sur pause. En même temps, eux vont pouvoir réduire la charge des serveurs de 93%, ce qui va quand même être énorme, logiquement. Je vais en mettre un ou deux, histoire d'eux, parce qu'ils sont en galère, donc je vais essayer d'en mettre un peu plus. Mais écoutez, pendant que je... Ouais, on va dire ça comme ça. Pendant que je galère à régler les problèmes des serveurs, je vous dis à tout de suite, j'ai une petite ellipse. Alors, me revoilà du coup, je pense avoir résolu le problème des serveurs, hein, honnêtement, on est à 26 millions, donc on n'a pas forcément bougé, mais le temps que j'achète d'autres serveurs, parce que je partais pour en acheter d'autres, hein, le temps que j'achète d'autres serveurs, bah, je me suis rendu compte que grâce au truc anti-bot, et ben, on avait diminué à fond, on était à moins 93% et donc on a récupéré beaucoup de charges de serveurs. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est qu'on perd beaucoup d'argent. Là, en ce moment, on est vraiment, vous voyez, nos revenus qui sont presque à zéro, hein, bah, même carrément zéro, et nos dépenses qui sont assez hautes. Donc parce que je développe plus de jeux... Et puis, bah, tout simplement parce que c'est une galère sans nom, donc pour le moment, hop, jamais qu'un influence, on devrait être bon. Port de jeu, il est SVP, on va le mettre encore une fois sur le magasin dématérialisé, tac. Et puis toi, pareil, hop, voilà, là on est bon, ça devrait être beaucoup mieux. En magasin dématérialisé, on est où? Il est SVP, on est là. Et sur des plateformes, on va mettre, ouais, donc tout pour le moment, on peut pas voir mieux. Je pense qu'on est bon. Donc là on est à... Il est SVP, je pense que je vais l'arrêter, il me rapporte plus grand chose. Enfin je fasse un petit coup de pub. Alors hop, on va aller ici, tac. 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 Et tac, là on s'inscrit à toutes les conventions. Au moins ce sera bon. Jamaïque Influence, on va mettre un petit coup de pub. Il est SVP, pareil. Là ça devrait quand même être plus que bien, j'ai envie de te dire. Donc il est SVP, on va ressortir ce nouvel plateau. Oh regardez la pub, ça augmente de ouf. Là on y est, tac, il est SVP, c'est bon. Un nouveau portage, port de jeu. Magasin dématérialisé aussi sur la Skylight. Et hop on balance. Et donc là on est vraiment en train de développer tous nos MMO. On veut tout balancer sur le magasin. Donc là il y a combien? Il y a donc 3 jeux hein, maintenant avec 4 jeux en total maintenant. Waouh, 4 jeux en total. Donc je sais pas, il y a peut-être un autre concurrent qui a dû Par contre ce qui est bien, ça faut que je le dise aux devs, ça serait qu'on puisse cliquer, qu'on ait la liste de tous les jeux. Là on a juste les meilleurs jeux, les meilleures ventes de jeux. Oui. Mais j'aurais voulu quand même avoir... alors oui, en vente, ça c'est le nombre. En vente, c'est pas ce que ça a rapporté, c'est le nombre. On a vendu 39 000 Rogue Rabbit, donc ça peut être pas mal sur Circle Enix. Mais j'aurais quand même voulu, voilà, vendre 2 jeux 12 millions, c'est quand même intéressant. Part du magasin numérique, 1 074 000. Donc pour l'instant, ça nous coûte, coût des serveurs, 313 millions, ça nous a rapporté quasiment rien. Au final, comparé à la dépense, mais bon, c'est pas grave. On est dedans, hein, on kiffe, alors hop, on confirme. Il faudrait ouais, une liste où on puisse avoir tous les noms hein, des jeux qui sont vendus sur notre serveur. Ça serait quand même pas mal sur notre plateforme. Bon, on est encore en train d'augmenter, donc c'est pas mal. Alors, c'est QG. QG, ils vont se reposer, tranquillou, dans ce studio-là. Reposez-vous tous. Voilà, même toi. Ouais, toi tu te reposes aussi. Jamaican, hop, on leur met un petit coup de pub aussi. Toi, pareil, coup de pub. Donc là, c'est toutes les conventions qu'on est en train d'enchaîner. Hein. Voilà, ça devrait être plus que bien, on touche tout le monde, c'est hyper cool. Nos ventes devraient augmenter à gogo même, 307 millions, les effets nous ont rapporté beaucoup. Jamaican, flatulence un peu moins, ouh, c'est en train d'augmenter. Donc oui, c'est peut-être un peu mieux même, peut-être même mieux, pourquoi pas, on verra.
On va demander à tout le monde de se reposer. Tac. Alors, Italoc, encore une petite convention. Voilà, pour hyper tout le monde. À propos, reposez-vous tous. Voilà, là on est plus que bon. Ouh là, on est remonté à 13 000. Qu'est-ce qui s'est passé là? Encore un autre jeu. Ouh là 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 là. 9 jeux qui sont vendus sur notre serveur en temps réel. On va augmenter la part à 30% de part de marché. On est monté à 7 millions maintenant qu'on leur prend. On peut même leur prendre qu'à 50%. Oh, c'est ouf. On va prendre 40% déjà des ventes. Ça sera juste plus que bien déjà. Alors, on va leur proposer du clavardage. Ici, histoire qu'ils puissent discuter entre eux, etc. Pour les obliger à rester, on va dire. Les obliger, c'est un mot que je déteste, mais bref. Itatok, du coup, tu vas faire un... fais-nous un jeu classique, genre un jeu de simulation. Je sais que vous êtes capable de faire des trucs bien, les gars. Donc, pas en ligne. On va faire un jeu, genre, juste part de marché. Quoi que maintenant, tout se passe plus ou moins en ligne. Non, la Gratendo, ouais. La Game Station 2. Et pas la 3. Donc, la 3 a moins de part de marché que la 2. Ouais, c'est étonnant, mais bon. C'est pas grave, on fera des portages amis. Donc sur les gratin, non, on va faire ça sur la Xbox peut-être. Ou sur la ouais, PS3. On va appliquer. On va faire un jeu tac. Alors, tendance, transport, bah parfait. Transport, on va faire la suite de Transporte-moi ça 2. On va faire Transporte-moi ça 3, voilà. La suite enfin tant attendue. La licence pourrie. Tu joues à quoi? Bah Transporte-moi ça. Ah d'accord, c'est quoi? C'est le 2. Ok d'accord, ça marche. Tu gères, bravo mec. Hop, on va les pousser à développer la suite. On est parti, donc là ils devraient être plus ou moins bons dans ce qu'ils font. C'est quelque chose qu'ils devraient logiquement maîtriser. Bon, sur la QG est en train de développer le clavardage pour les faire rester un peu plus. Voilà, super. Bon, là on devrait être bon. Au niveau du magasin dématérialisé, on récupère ouais, donc 24 millions en vente de jeux. Waouh, 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 on a 8 en total, c'est ça, 8 10 en total. Ouais, donc on est dedans, donc ça c'est quand même super cool. Télémétrie, permet de reculer des habitudes. Ouh, plus 98% de chasse de serveur. On va le faire quand même, tant pis. On va le faire, je veux vraiment que notre magasin devienne une plateforme incontournable pour les ventes de jeux. Une fois qu'on aura développé tout ça, on sera plus que... Waouh, c'est monté à 23 millions d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Encore un jeu, c'est ça? 10 jeux publiés, non, bah je sais pas, mais en tout cas on commence à... Pas rentabiliser, parce qu'on est loin de rentabiliser, hein, mais... Bénéfice tête, on a moins 386 millions, on va voir ce qu'on commence à donner le mois prochain. Est-ce qu'on gagne de l'argent ou est-ce qu'on en perd tous les mois? Moins 394, donc on perd de l'argent tous les mois avec le truc, malgré tout. Et encore, il y a d'autres serveurs, hein. Ça m'embête, tant pis, je vais arrêter là. Alors on va aller sur... plus j'en veux plus. Encore un nouveau succès. Donc maintenant on a des succès en français aussi, ça je précise. Le dev l'a fait il n'y a pas si longtemps que ça. Alors ouais, les serveurs sont en surchauffe, je sais bien, mais là, tant pis, hein, ils vont se débrouiller. Je vais prendre une grosse... Puisqu'il y a trop de monde, et bah écoute, je vais prendre une grosse part de marché, voilà. 50% de la moitié de leur vente. Et je vais pas augmenter le nombre. Ça m'embêterait trop. Donc, ouais. Après, il y a peut-être des... Ouh là là, oui, ouh là, oui, d'accord. Du coup, la télémétrie nous a mis dedans, là. QG. Non, c'est building. Tant pis, il va falloir vraiment que je reconstruise. Pourtant, j'ai beau remettre des serveurs. Mais problème, j'ai peur que ça me coûte trop cher au final, tous les mois. Ça m'inquiète un peu. On va essayer d'en mettre le maximum. Tac, 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 plein de serveurs. Voilà, on blinde de trucs de serveurs. Allez, les gars. Allez, les gars. On est plus que bon. Je vais m'enlever plusieurs plateformes parce que du coup là mon serveur, mon truc ne tiendra pas. Et en plus là ça va encore augmenter le déficit. On va le mettre hop sur le côté. Tac, tac, voilà. Encore un petit peu là et là. Bon là j'ai beau essayer de résoudre mon problème de serveur, ça revient toujours. On est monté seulement à 34 millions. Ok, bon on va faire un truc très simple. C'est que je vais descendre le nombre de plateformes. Alors liste des plateformes. Toi je te dégage déjà. On va pas faire toutes les plateformes. Toi je te dégage. Coût mensuel, ouais, 74. Donc toi je te dégage. Toi si je te dégage, je perds au moins de vos jeux. Non, d'accord. Non, non, je vais pas retirer. Non, annuler. Ouais, on va te garder. Du coup là je vais peut-être retirer une plateforme. Peut-être que ça aidera. On sortir une petite plateforme, pourquoi pas. Alors on va aller dans QG. Il n'y aurait pas moyen de développer un autre truc là pour les charges des serveurs parce que ça va me coûter trop cher sinon. On est monté à 20 millions, même comme ça on perd de l'argent. Ce qui m'embête quand même pas mal, hein, soit dit en passant. Ça m'embête quand même pas mal. Alors succès.
Ça va encore augmenter la charge de serveur, donc non, on va s'arrêter là, je pense, hein. On va s'arrêter là. Et maintenant, le QG va aussi développer des jeux. Il va nous falloir un maximum de jeux pour essayer de récupérer du pognon. Du coup, qu'est-ce que ça donne pour toi? Alors, dis-moi tout, QG. Toi, tu peux nous faire un jeu de simulation, hein. On va sortir deux jeux de simulation en même temps. Maintenant, ils vont se concurrencer, ces cons-là. Ils vont forcément se concurrencer. On va sortir un jeu. Où est-ce... Dans quoi on est bon, du coup, alors, à part les jeux de simulation? Les jeux d'aventure, qu'on a fait un petit peu, bah pourquoi pas, Lego QG. Ça va sortir un gros jeu. On va mettre le comptable pour réduire les taxes. Pas de responsable marketing de dispo, c'est pas grave. Je veux un gros jeu, hein. Donc toi, on va te mettre là-dessus, on confirme. Et on développe. Donc là, on se focalise à fond, hein, dans le développement de jeu. Histoire qu'on regagne un peu d'oseille parce que ça devient trop compliqué à gérer. Je sais que les serveurs sont en galère, hein, je sais bien, mais si j'en mets plus après, on va perdre trop d'argent par mois et ça sera insupportable. Parce que là, on perd, hein, vous voyez, 750K, 739 millions, on perd beaucoup, beaucoup d'argent. Et j'ai peur que ça s'arrête. J'ai peur que ça ne s'arrête pas, donc ça m'embête un peu. Allez les gars, développez à fond, je compte sur vous les gars. On est bientôt à moins de 700 millions, on a 724 millions. 708 maintenant les gars, je compte sur vous, hein. Développez tout ce que vous pouvez. Alors on va gérer ça comme ça, tac. Est-ce qu'il y a moyen de l'arrêter, genre le magasin? Il y a moyen de dire stop pendant un moment? Je ne crois pas. Il y a combien de jeux en vente en même temps? 12. Ouais, au final, je me dis que ça m'embête de... En fait, il faudrait un bouton pour l'enlever, ou après, je peux toujours désactiver tous les serveurs, je pense. Ah ouais, on va regarder ça. Attends. Il n'y a pas un bouton, genre, gérer les trucs, ouais. Building. Ouais, donc ça, c'est mon ma salle à serveur. Ouais, je pense pas qu'il y ait moyen d'arrêter tous les serveurs. On a moins de 700 millions maintenant, là. Ça devient très, très tendu. Chat errant. Ah, j'ai pas vu, tant c'est tout, Chahéran. Bah tant pis, je crois que ça réagit trop tard. Bah tant pis, c'est pas grave. Ok les gars, je compte sur vous, hein. Ce jeu-là, faut absolument qu'il marche, hein. J'ai lancé la pub un peu tard, mais c'est pas grave. Alors tout le monde se repose. Tout le monde se repose, les gars. Eh, on est à moins de 600... On a 600... Ouais, moins de 600 millions et demi, donc c'est quand même tendu. Ok les gars, je compte sur vous. Dis-moi que ça marche, dis-moi que ça marche. Oh oui! 102 sur 100, le jeu a succès! Oh là là, le jeu ultime, bah carrément que c'est un jeu ultime, moi je te le dis, hein. Donc après on va faire un portage de ouf, on va récupérer de l'oseille à gogo. Alors dis-moi tout. Transforme Massa 3, il se vend super bien. Wouah, là on repasse, ah, super, on repasse dans le vert, ça c'est une bonne nouvelle. On repasse dans le vert, donc ça c'est vraiment cool. Alors, tu vas nous faire un portage de transport. 95 sur 100! Ah je suis franchement c'est bête, hein, ce que je veux vous dire, mais je suis presque choqué d'un tel jeu. Ah mais attends, son magasin, bah ouais je suis bête, mais attends, on est posé que des MMO. Je vais stopper les MMO, c'est ça aussi qui doit prendre beaucoup de place, donc toi je t'annule, tout annulé. Ouais, déjà, ouais, tac, transforme-moi ça, je sais bien, c'est tendu. Tu continues à développer, Jamaican, un feu, on va supprimer, tout annulé. Voilà. Et du coup là, ouais, on est comme dans le vert, on est comme dans le rouge à fond, hein. On est comme dans le rouge à gogo, donc bon. Transport Massa, est-ce que je peux l'envoyer du coup? Attends. Port de jeu. Par exemple, si je vais là-dessus, appliquer. Est-ce que je peux le mettre sur le magasin dématérialisé? Juste pour voir. Je crois que normalement c'est un Steam, donc je peux pas. C'est pas que des MMO, je peux mettre même des jeux solo. Ne m'embêter qu'à faire que ça, des MMO. Mais oui, carrément, puis ça me rapporte moins bien les MMO. Ça me rapporte moins. Donc on va mettre un petit peu de pub aussi pour ce jeu-là. Hein. On sait qu'il est ouf. Transporte-moi ça 3, hop, on confirme. J'aurais jamais cru que ça marche autant. Franchement, je suis vraiment sur le cul, quoi. Petit coup de pub pour transporte-moi ça 3. On va mettre un petit peu de portage. Tac, on est bon. On se repose maintenant. Allez, les gars, reposez-vous. D'autant que la hype monte, j'oublie. Du coup, il y a tellement de trucs que j'oublie d'annoncer la hype au bon moment, etc. Je gère vraiment mal. Port de jeu encore une fois sur transporte-moi ça. Tu vas envoyer sur ce que tu peux envoyer, un hein, Gratendo, si tu veux, tac. Attends, bah, tu balances. Il nous faut des portages là. Du coup transporte-moi ça 3, effectivement ça se vend super bien. Vend de jeu 122 millions, c'est quand même énorme. Il y a combien de jeux en ce moment? 15. Donc même si on prend la part du magasin 15%, enfin 50%, donc la moitié des ventes, ils viennent dessus. C'est quand même fort. On a 522 millions, on va voir ce que ça donne. Ah, je peux directement balancer, ok, en plateforme dématérialisée, directement à partir de là. On publie. Et là. Oh, c'est pas mal. C'est pas dingue, mais c'est pas mal.
franchement, c'est plus que bien. Donc, on va pas dire le contraire, c'est même plus que bien. Et du coup, là, 517 millions, on a moins, je parle en moins, en négatif, oui, bon, bah voilà, ça marche pas forcément, hein. C'est un prémisse, hein. C'est le début. C'est que le début, là. Et du coup, ça donne quoi? On est à moins 517. Ah, ça y est, on commence à gagner de l'argent. On est à... Oh, super, on commence à gagner de l'argent avec Sexy Octopus et transporte-moi ça. On va faire de l'oseille, mais à gogo, mais carrément même. Alors, bouge pas, on va faire très simple. Ah, ça y est, on commence à rentabiliser notre truc. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, tout, on va l'appliquer. Transporte-moi ça là-dessus. QG, cette console-là, on balance aussi. Hop, on s'en fout, on balance sur tout, nous. Ah, c'est jeu de l'année, transporte-moi ça. Il va forcément gagner le grade, c'est obligatoire. Jeu de l'année, c'est obligatoire, ça. Transporte-moi ça. 3. Et Sexy Octopus, du coup, ça donne quoi? On va faire de la pub pour les deux, même Sexy Octopus, j'ai pas fait de la pub. On va me refaire, hop, convention à gogo, convention, convention et convention. Publicité pour Sexy Octopus, on confirme, et voilà, là, je pense qu'on est plus que bon, même. Oh là là, super. Bah écoutez, je pense que du coup, là, on est en train de s'en remettre lentement, mais sûrement, mais ça s'annonce bien. On est en train de gagner beaucoup d'argent. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour la vidéo. Et puis, je vous remercie, je vous dis à plus tard pour le prochain épisode. Ciao, ciao.